Yeah, I confess, father, I confess, 'cause I've been living wrong. Bonjour tout le monde, dans ma vidéo sur Debian GNU Linux sur Raspberry Pi. Alors Debian GNU Linux c'est une version de Debian sans le système d'init. En fait c'est un groupe qui a fait un fork de Debian pour faire la même chose, juste ils ont enlevé le système d'init parce que le système d'init ne correspond pas vraiment à la philosophie open source ou à la philosophie de Unix en fait. Là je lui ai mis l'interface Mate, comme vous pouvez le voir. Alors au départ sur Raspberry Pi il vient sans interface graphique. C'est à vous de l'installer ou bien vous pouvez garder en ligne de commande si ça vous plaît. Voilà, j'ai fait une commande top. Alors bien sûr toutes les commandes Debian fonctionnent. Il est très stable, c'est tiré de Debian. Alors là, j'ai fait un apt-get install htop pour montrer comment se passe l'installation. Voilà, j'ouvre htop et là on peut voir les 4 processeurs, l'utilisation de la mémoire en direct et les processeurs en cours. Alors moi je suis sur un Raspberry Pi 3, pour ça qu'il y a 4 processeurs. Alors pour ceux qui connaissent bien Debian, vous ne serez pas dépaysé, c'est la même chose. Seulement il n'y aura pas le daemon de systemd. Voilà. Ça c'est l'interface Mate pour ceux qui connaissent. J'aurais pu mettre KDE, GNOME, mais c'est une interface que j'aime bien. Là, il y a 4 bureaux. Là, vous avez les calendriers. Voilà les fonds d'écran qui sont fournis avec Mate. Alors on peut changer le thème du système. Là, je vais vous montrer l'arborescence de Debian GNU Linux. Voilà, là vous êtes à la racine du système. Là, je liste le dossier Home, il n'y a encore rien dedans. Bien sûr, j'ai rien créé, je viens d'ouvrir le système. Alors là, j'ouvre le dossier var pour les variables, le dossier log pour voir les logs. Pour les fichiers de log. Là je vois tous les fichiers de log avec leurs droits et leur owner, à qui appartient le fichier, qui a des droits dessus. Et là je fais un tail-f sur le syslog et là je pourrais voir le syslog en direct en fait. Vous voyez que toutes les commandes Debian fonctionnent à part tout ce qui touche au système D. Cette vidéo est maintenant terminée. Regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.